Je suis Kevin Sop, étudiant en licence en biotechnologie à l'Université de Douala. Mon expérience avec WebDev Foundation, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Déjà, je connais WebDev depuis quelques années déjà, je dois dire. Mais c'est ma première fois de participer en tant que volontaire à un des projets de WebDev, oui. L'expérience en elle-même, je dois dire que c'était vraiment, vraiment cool parce que déjà, je suis étudiant impliqué dans les associations étudiantines déjà. Oui, je suis volontaire, je travaille avec plusieurs autres associations, ONG et organisations. J'ai déjà eu à avoir quelques expériences avec, oui. Donc, je voulais déjà cette année essayer d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est cela. Ça s'est très, très bien passé même. Le volontariat, je dois dire, c'est quelque chose de bien parce que aujourd'hui, le volontariat peut aider plusieurs étudiants ou plusieurs jeunes dans le CV. On peut dire, si quelqu'un travaille une année, par exemple, gratuitement, mais dans son CV, quand il va chercher de l'emploi, on se dit, par exemple, mais si celui-là a travaillé avec une ONG pendant un an gratuitement, c'est qu'il peut travailler, se donner à fond dans ce qu'il fait au quotidien. Donc, c'est pour ça, déjà, j'invite tous les jeunes à s'impliquer encore de plus en plus dans les associations, dans les organisations, dans les ONG. Mon expérience, oui. On a eu à donner aux enfants l'occasion d'avoir des vacances utiles, de ne pas l'oisiveté, de fuir l'oisiveté, de pouvoir avoir une occupation. C'est ma première fois d'être ici à Bangoua. C'est ma première fois de découvrir la localité. Donc, c'est déjà cela aussi que le projet m'a apporté. Le projet aussi m'a permis de découvrir une autre facette de moi, de pouvoir être enseignant, de pouvoir transmettre des connaissances à d'autres personnes, chose que je n'avais jamais fait avant. Donc, c'est ça que j'ai pu découvrir en moi pendant le projet. Et d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé aussi ont pu révéler en eux des qualités qu'ils n'avaient pas. Aussi chez les enfants, oui. Le projet a permis à certains enfants de s'épanouir, d'améliorer leur technique, leur capacité, leur savoir-faire dans plusieurs choses, comme peut-être l'informatique, les langues, d'apprendre plusieurs autres langues, l'italien, l'espagnol, le français même qu'ils parlent déjà, d'améliorer leur français, et également l'anglais. Également l'anglais. Donc, j'invite comme ça les parents, plusieurs parents, à amener leurs enfants dans les années futures à participer au projet. Parce que c'est l'un des problèmes qu'on a eu à rencontrer pendant le projet. Certains parents un peu sceptiques se sont dit, mais pourquoi mon fils va aller, pourquoi ma fille doit aller. Donc, j'invite les parents comme ça à amener leurs enfants à participer à des projets pareils. Donc, merci encore à WebDev Foundation et courage pour les années à venir, courage pour le travail abattu. Merci.